Et salut à tous, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va passer un petit moment ensemble. J'ai eu envie en fait de partager avec vous quelques nouveautés accessoires meubles que j'ai trouvées chez Jiffy, donc je suis en partenariat avec Jiffy. Je vous dis tout en toute transparence, je reçois des petits bons cadeaux et après bah, je fais un petit peu tout ce que je veux en achat. Et là j'ai décidé, parce que j'avais besoin, donc je me suis racheté un tapis, deux chaises de bar, parce que derrière j'ai jeté les miennes, j'ai commencé à des thèses avec 4 ans et elles étaient pétées tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit meuble que vous allez voir, un petit meuble étagère, mais que je vais remettre à ma sauce, en tout cas en disposition. Une lampe, une grande lampe pied. Une table basse, je n'en ai pas non plus. Je ne l'ai pas encore, ça sera pour une prochaine fois. Par contre, juste avant de vous montrer ce que j'ai acheté et de l'installer avec vous, il faut absolument que je vous montre 2-3 petites merveilles qui sont dans le catalogue. Si vous en avez l'occasion, feuilletez-le, parce que vous allez peut-être être comme moi, bien bluffé. Alors attendez, justement la table basse que j'ai repérée, c'est celle-ci. Elle n'est pas excessivement chère, 79€, c'est la Kensas. On a la partie jolie bohème, ils font énormément de petits poufs comme ça. Alors pareil, hein, les prix ça reste très raisonnable. On n'a pas envie d'y être franchement dans ces... dans ces décors. Oh là là, il est trop fun. Alors ça, dans mon bureau, ça l'aurait bien fait. Maison de maître. Alors là, les gars, maison de maître. Oh, ces chaises, les chaises Léonie, je les ai vues. Donc celles-ci, moi, elles sont dans mon Jiffy. Oh, elles sont à 129 quand même. La chaise, t'en prends deux. Ouf. Moi, je les ai vues de cette couleur-là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais regardez, moi, je crois que c'est la partie que je préfère. Le canapé Arthur. Une autre couleur très chic aussi comme ça. Et là, ah oui, attendez, ça il faut que je me le prenne la prochaine fois. Je trouve ça tellement joli. Je crois qu'il existe en gold, doré, bois, blanc. Alors j'ai mis tout ce que j'ai acheté hein, ici dans le coin. Ensuite, j'ai libéré l'espace en jetant les chaises hautes qui étaient cassées pour remettre les nouvelles. Je vais commencer par installer le tapis. J'en profite pour vous montrer le tapis. Oh là là, il est tellement doux. 14€. Voilà, vraiment pas cher. Je suis en train de me demander si je vais pas en prendre un deuxième, justement. Après, il faut pas qu'on voit, on va dire, le collage. Mais voilà. Allez, on continue. Alors là, c'est chaise de bar. J'en ai donc pris deux. C'est tabouret de bar, le Majestic. 39,99€. Donc 40€ la chaise de bar. Alors voilà ce qu'elle donne une fois installée. Pour le montage, c'était ultra rapide et simple, c'est juste de l'assemblage. Elles ont juste le petit dossier, donc pour le côté confort, c'est parfait. Bon, bah, je crois que lui kiffe la chaise. Ça, c'est de la papade bien rangée. Alors là, c'est une étagère blanche, hein, toute classique. Mais moi, je ne vais pas la laisser verticale, je vais la mettre horizontale. Donc ça, ce sont les dimensions, elle s'appelle étagère Lévy. Elle a coûté 24€, il me semble. Je viens d'avoir une idée avec ce cadre qui a un côté jauni, hein, donc je vais lui mettre de la bombe de peinture rose poudrée ballerine, on va dire, et je vais le mettre sur la petite étagère en bas. Oh, ça va être super joli, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Hein. Et voilà pour le rendu final, on a donc le tapis, le petit meuble blanc qu'on aperçoit au fond, le lampadaire, je trouve qu'il va hyper bien ici. Et nos deux petites chaises de bar, je pense que je vais même pouvoir en prendre une troisième vu qu'elles sont assez fines. J'ai voulu que vous vous rendiez compte aussi du rendu de nuit. Franchement, je crois que c'est ce que je préfère avec les lumières indirectes. Qu'est-ce que c'est joli! Hyper chaleureux et cocooning, vraiment j'adore. Je te vois, hein, toi, là-bas. Ça m'a donné chaud tout ça. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo déco perso. Moi, je suis bien contente. Tout n'est pas fini. Hein. J'ai d'autres petits éléments que je mettrai. La table basse, bien évidemment. Donc, je vous invite à me suivre pour voir l'évolution de tout ça.
Je vous fais un gros bisou et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!